intéressant ici. Et salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mission avec notre agent 47. On se retrouve en Chine pour un petit assassinat. Et on lit le briefing avec notre chère Diana. 47. Notre client est quelqu'un d'extrêmement riche. Il souhaite faire assassiner un certain Li Hong, le chef de la triade du Dragon Rouge. Une organisation criminelle qu'il aimerait également voir disparaître. Hong est trop puissant pour être attaqué de front. Il vous faudra déclencher une guerre entre les deux principales triades pour l'affaiblir. Tout d'abord, éliminez l'émissaire qu'il a envoyé au parc Chudai pour négocier avec la triade du Lotus Bleu. Le négociateur du Lotus Bleu doit survivre pour attirer les soupçons. On ne connaît pas l'identité de l'émissaire de Li Hong, mais le rendez-vous étant officiel, il portera les couleurs du Dragon Rouge. Il sera méfiant. Alors allez-y en douceur, 47. Notre client a beaucoup insisté pour que ce soit vous et personne d'autre pour cette mission. Alors faites qu'il en ait pour son argent. Bon, vous avez compris, faut tuer le négociateur du Dragon Rouge, qui est ce monsieur. Et épargner le négociateur du Lotus Bleu. Et quitter le secteur tout simplement. Alors on va trouver un endroit où monter. Voilà, déjà, je me trompe un peu. Ok. Donc il faut trouver un endroit où on peut se mettre en hauteur pour aviser le parc tranquillement. C'est que faut que je fasse très attention. Normalement, ces mecs là, ils sont pas là pour rigoler. Ah oui, effectivement, là je crois que j'ai trouvé le bon endroit idéal. Ok. On va regarder un peu les secteurs où on peut se casser. Ouais, c'est les endroits assez lugubres ici, monsieur, non ? Ok. C'est parti, petite corde de piano. Petite, pas du tout corde de piano, ok. On va la faire poil moins franche. Merde, je me trompe toujours de sortie. Car c'est par là, voilà. Je sais pas pourquoi ils courent, ils doivent avoir peur, mais en même temps il pleut donc. Ça doit être pour ça. On va essayer de se faire repérer par ces petits gardes devant là. Et il faut qu'on se fasse ce garde pour monter, sinon on va jamais pouvoir monter. Ok. On va se remettre par là-bas. Oh, moi je dis c'est par là qu'il faut tirer obligatoirement. Moi il y a le civil là-bas, par contre il casse un peu les couilles. Mais normalement, ouais, y a de la place ici. C'est qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Oui, monsieur. Putain, il a un bras bizarre quand même. Hein. Il se met vraiment la main. La main. Ok.
Donc là, on l'a fait silencieusement, voilà. On va traîner son corps par là. On va le cacher voilà, derrière ce poteau là. Personne normalement devrait le voir. J'aurais pu le cacher en bas, mais je sais pas ce qu'il y a en bas, donc je vais pas tenter. Voilà, on va le foutre par là. Au moins, on est sûr qu'il y a personne qui nous trouvera. Alors, hop, ça je m'habille, je me change. Voilà, je ressemble pas du tout à un chinois. Voilà, on monte délicatement en haut. Merde, ma valise. Si je prends pas ma valise, je suis dans la merde. Ah là là, le plus important, je l'oublie, tu sais. Et ouais, c'est une mission du premier Hitman qui était très difficile pour... Parce que, on va dire que quand tu tires au sniper, il y avait un hélicoptère qui arrivait et qui savait pertinemment où tu étais. Donc pour dire, c'était un peu chiant, voire casse-couille. Alors, on va ranger ça, on va prendre la mallette, on va ouvrir la petite mallette. Et on va prendre notre beau sniper. Ok. Et là, il faut attendre notre cible. Qui est où ? Il faut savoir que je la vois pas du tout, la cible. Ok. Voilà, on range notre sniper, la cible a été éliminée et on se casse. On reprend notre costume aussi. Normalement, ça devrait pas se faire remarquer. Si on reprend notre bon vieux costume, qu'on passe tranquillement à l'exit, enfin à la sortie, on devrait passer tranquillement. Ok. En fait, je voulais faire aussi un petit point du coup en attendant qu'on s'échappe avec cette belle musique sur mes let's play. Alors, il faut savoir que j'ai mis en stand-by Uncharted et que je vais reprendre Metal Gear bientôt. Il faut savoir aussi que je vais partir bientôt en formation, en formation pour travailler. Et que du coup, j'aurai moins de temps pour faire mes let's play. Du coup, je vais vous préparer pas mal de let's play que je vous proposerai pendant ma formation. Et du coup, Uncharted, je l'ai du coup arrêté. Parce que ma PS4 a rendu l'âme. Du coup, je vais essayer de trouver une PS4 pas trop chère pour la remplacer. Ça va être assez difficile, mais je vous promets de revenir rapidement sur Uncharted 4 dès que j'ai ma nouvelle PS4. Donc ça, c'est encore à confirmer. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de l'avoir le plus vite possible. Voilà, voilà, c'est un petit point sur mes let's play. Et je ferai aussi un petit message sur Facebook, comme ça. Et n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas encore vu, de vous regarder ma vidéo sur Likespand. Et de donner votre avis sur ce genre de vidéos, c'est vraiment un test hardware. Et j'ai envie vraiment aussi de les proposer dans ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me donner un avis, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois m'arrêter directement à cette vidéo là. Voilà, c'est complètement différent des let's play, mais c'est aussi une passion quoi pour moi. Donc voilà, normalement là on a fini notre mission sans se faire remarquer. Si tout va bien, la mission est terminée. Voilà. Donc vous avez atteint le catégorie assassin invisible, vous recevez par conséquent une arme supplémentaire, le PM MP5 avec silencieux. C'est cool ça. Ouais, j'ai fait que de l'agression, mais l'agression c'était du coup j'ai tué la cible quoi. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, elle a été assez courte mais je me promets de me rattraper sur les autres let's play. On se retrouve pour une autre vidéo assez rapidement. Bisous bisous.